Charles, c'est le mec le plus beau et le plus sexy du lycée. Il fait du basket, il est gaulé comme un dieu. Ça, c'est le copain de Daphné, c'est Charles. Je suis pas le copain de Daphné. En fait, on était passé te ramener la veste que j'ai empruntée, mais vu que t'étais pas dans ta chambre, je l'ai posée sur le rebord de la fenêtre. Bon, c'est pas un ange non plus, le Charles, quoi. Génial, toi, dis donc. Je suis curieuse. Cette histoire, c'est lui. C'est quand t'as quelque chose. D'accord? Arrête de te comporter comme un vieux cliché ambulant. Et au passage, tu deviens quelqu'un de décent. Tu dois souffrir d'un énorme complexe d'infériorité, avoir besoin de t'acharner comme ça sur le moment de seconde. Charles vient de se faire mâcher. N'a aucune parole. Manon. La dernière fois, il est parti voir Manon, mais c'est... Pourquoi tu réponds pas à mes messages? Je vais te regarder pas, en fait. Qu'est-ce que tu veux? Ça te dirait de venir chez moi m'aider à faire mes devoirs? Que tu sèches les cours cet après-midi et que tu viennes avec moi. Ah ouais, rien que ça. Écoute, c'est gentil, mais faut que t'arrêtes maintenant. Ça risque pas d'arriver. Ouais, mais tu perds ton temps. Non, ça me dit pas, non. Attends, Manu, il t'a dit quoi? Rien du tout. Putain, ce que t'es belle. C'est le mec le plus égoïste et antipathique que j'ai jamais rencontré. Il me dégoûte. Tu sais ce qu'on dit des gens qui disent non? Que leur nom est un lieu en attente. Si t'allais attendre chez toi, parce que moi ça va me prendre un petit peu de temps. C'est bon. Écoute, t'es une fille intelligente. Donc tu devrais savoir que plus tu me repousses, plus ça me donne envie d'être avec toi. Alors si tu veux vraiment te débarrasser de moi, accepte de sortir au moins une fois avec moi. Voilà ce que je te propose. T'acceptes un rencard avec moi. J'arrête de manipuler ta vie. Ok. Je lui ai dit que c'était ton anniversaire et maintenant pour pas qu'elle sache que j'ai un rendez-vous. Avec qui? Un mec qui s'appelle Charles. Ok, on va pas tourner autour du pot. Tu veux sortir avec moi et moi je veux pas. Donc c'est pas tes confessions intimes, tes tasses de chocolat chaud qui vont changer quelque chose. Tu veux autre chose? Jamais. Tu veux chocolat chaud? C'est parce que t'aimes manipuler les gens. T'es égoïste. Tu peux écraser les autres pour avoir ce que tu veux. Tu donnes un genre de mec mystérieux alors qu'au fond, t'es égoïste. Alors ça, tu l'as dit. Écoute, t'es méchant. Tu sais, la fois où je t'ai dit que t'étais pas assez belle. T'es vraiment pas assez belle. Et la fois où t'as dit à Daphné qu'elle était pas assez belle et qu'elle existait pas. C'était des conneries. Ok. C'est gentil de t'excuser de ta patron. Ouais. Bon, juste pour qu'on soit clair, toi et moi, j'ai été réglo avec toi. Je te dois rien maintenant, si tu veux. Non, rien. C'est pas un date, c'est pas. Tout ce qui est passionné. Quel ça? Avec le mec? Quel mec? Ouais, non, c'était banal. Tu crois, on s'en fout. Non, on m'a dit que Charles, il était pas là. Hein. Apparemment, Alex, il était tout seul. Et c'est pour ça que l'autre taré, il s'en est pris à lui, tu vois. C'est parce que Charles, il était ailleurs en train de serrer une pauvre meuf. De toute façon, Charles, il aime que les petits gabarits, tu vois. Genre, toi, tu vois. N'importe quoi. De toute façon, on saura qui c'est vendredi à la soirée. Quelle soirée? C'est toi. La meuf de Charles, c'est toi. La soirée de Charles, elle sera forcément. La soirée de Charles, mmh. Pas question que j'y aille. On m'était venu. Je pense que d'être franc avec les gens, c'est faire preuve de gentillesse. Tu dis que je suis un manipulateur, mais je joue pas.
tu lui as rien dit sur moi? Sur toi? Non. Mais t'es qui toi, Naïm? Je vais pas croire qu'il y a des chances alors qu'il y en a pas. Ah non. Je joue pas pour être salé, finalement. Dis-moi. Tu veux savoir? C'est bon d'être enfin seul avec toi. Qu'est-ce que t'as dit à Daphné? Et comme d'hab, t'es vénère. T'es au courant, ça, hein? T'es le mec le plus cliché du monde. T'es une enfance de merde. C'est ça le problème? Ma mère qui complimentait jamais les dessins, mon père qui venait pas au match de basket. Ah non, c'est juste. Tu te faisais martyriser par ton père parce que tes poils pubiens avaient du mal à sortir. Mais tu m'aimes bien quand même. Non. Si. Tu m'aimes bien. Voilà ce qu'on va faire. Regarde-moi droit dans les yeux. Et dis-moi que tu m'aimes pas. C'est le truc le plus débile que j'ai jamais entendu, ça. Vraiment? Ouais. Bah regarde-moi droit dans les yeux. Je t'aime pas. J'essaye juste de faire ce qu'il faut. Mais toi, tu t'en fous de tout, en fait. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'avoir ce que tu veux. Putain, égoïste, égocentrique, manipulateur, cynique et pourrigadé, et c'est pour ça que je t'aime pas. C'est bon, t'as fini? Non. J'ai dû mentir pour pas qu'elle pense qu'il se passait quelque chose entre nous. Pourquoi tu lui as juste pas dit qu'il se passait rien entre nous? Parce que c'est plus compliqué que ça. Qu'elle me réponde que je rentre demain matin. Je t'ai vu, regarde. Tu l'appelles Charles-Henri pourtant. Écoute, Charles-Henri. Eh ben, c'est un tout petit peu mon lycée, Charles-Henri. Bonne nuit, Charles-Henri. Bonne nuit, Manu. C'est une technique de domination.